nganga jitu nga jitu kongu. Bata tunyiba mamu, usonga ya baka jini ya baluma. Bana bonsu ba mukongu, jiba jakumba ni tujuka hii. Kongo wetu mbubanjubu wakatu shira bangambu betu, tubula mabile nga. Muntu kapandulu kongu, anjiba na ba mukongu tou. Baluba, bakongo, baswaeli, anjiba ngala. Tujubansu bana ba muntu kumwa. Nangwamo, wate tukula mbubanjibu wetu kongu, tujiswika ichisumbu chumwa. Tusomba hii mbubu mwane mujinanga, chanza mchanza, mshindu mwimpa, wakula majitu majetu, jitu ashila bana betu, ni bana babu. De libération du Congo à la conquête de l'espace Grand Kassai. Après le Kassai oriental, le parti cher à Jean-Pierre Bemba Gombo s'installe confortablement dans la province de Lomami, principalement dans les villes de Kabinda et Mweneditu et dans les territoires de Lulu. C'est grâce aux efforts de l'un de ses hauts quatre, Didier Parfait Kabongo Mwana Mobu, et au dynamisme de son secrétaire national chargé de l'implantation André Chimanga. Le mercredi 12 octobre 2022, une délégation du MLC conduite par le secrétaire national chargé de l'implantation André Chimanga inaugure les sièges de la Fédération de l'Omami 2 dans la commune de Mweneditu, avenue Aérodrome numéro 82 au quartier Chibangumpata. L'événement se déroule dans une ambiance de joie avec l'accompagnement de la fanfare kimbanguiste. Le siège de cette fédération est l'œuvre de Didier Parfait Kabongo, c'est au cadre du parti qui l'a également équipé. Le président fédéral du MLC lui a exprimé sa gratitude avant de revenir sur la riche histoire de sa structure politique. C'était en 2003 que le message est tombé, nous l'avons fait. Mais on avait appris qu'il y a un monsieur qui est en train de combattre dans la province de Kisangani, parce que ça avait commencé, Bemba a commencé la guerre à partir de Kisangani. C'était en 1990. C'est un mouvement politico-militaire. Pour sa part, le secrétaire national chargé de l'implantation a rappelé les circonstances de l'obtention de ce siège et a invité les membres à travailler pour le rayonnement du MLC dans la province de l'Omami. Accompagner notre collègue, notre camarade Parfait Didier Kabongo, qui est originaire de cette province. Comme on dit toujours, comme je viens de le dire là, on va dire maintenant Kabongo Mwana Mwabu. Kimongo. Alors, notre camarade Kabongo Mwana Mwabu, pour exprimer l'affection, la considération qu'il a envers ses frères et ses sœurs de Mweneditu et de la Lomami en général, il a offert un bâtiment au mouvement de libération du Congo. Il a meublé les bureaux. Désormais, le MLC a une adresse ici à Mweneditu. Alors je voudrais que vous puissiez l'applaudir.
ce n'est pas le MLC qui lui a donné les moyens pour ériger ses bureaux. Il l'aura fait par son argent propre. C'est une très grande considération qu'il a envers vous. Il n'est pas venu pour le motif, c'est le taureau. Mais il est venu parce qu'il vous aime. Il a des considérations envers vous. Il avait programmé que nous soyons ici. Je lui ai dit, bon, mon frère parfait Didier, je ne vous laisserai jamais aller chez vous seul. Je vais vous accompagner. Voilà pourquoi je suis là. Et comme nous sommes là, ici aussi, la province de la Lomami est représentée ici. Nous avons deux fédérations dans la Lomami. Il y a Lomami 1 et Lomami 2. Donc j'estime que la province de la Lomami est valablement représentée ici, parce que nous avons des présidents fédéraux. Alors, à cette occasion, nous ne serons pas toujours avec vous ici à Mouneditou. Mais nous vous exhortons, tout le monde, allez-y, prêchez les MLC partout où vous êtes, à vos amis, vos collègues, vos frères, vos sœurs, et que chacun obtienne sa carte de membre. Nous avons un bureau ici à Mouneditou. Vous avez besoin d'avoir la carte de membre, passez ici. Venez prendre part active à des réunions régulières qui seront présidées par notre camarade Mouy-Alphonse, qui est quasi permanent ici à Mouneditou. Je tiens à vous remercier, à vous encourager dans ce sens-là. Encore une fois de plus, je voudrais que cette collaboration soit maintenue entre notre camarade Didier Parfait et Gabongo, qui est originaire d'ici, et vous-même. Nous sommes dans une année préélectorale. Certainement l'année prochaine, il y aura élection et je voudrais que vous puissiez voter utile. N'attendez pas, n'allez pas simplement voter des gens qui viennent à la veille des élections pour vous lustrer avec un gobelet de riz ou un polo. Non. Mais il faut réfléchir correctement avant de voter. Qui est avec vous, même pendant les moments qui ne sont pas déclarés électoraux? Ils sont toujours là. Et donc, je vous invite tous à bien vous en procurer le carte de membre du MLC, à bien entretenir ces bâtiments, à bien garder le patrimoine du MLC ici à Mouneditou. Voilà pourquoi nous sommes là. Nous allons inaugurer ces bâtiments et nous allons repartir. Et que la chaleur des activités du MLC soit maintenue ici de manière quasi permanente. Et nous comptons beaucoup sur vous, sur les hommes, sur les femmes qui vous êtes ici. Le donateur Didier Parfait Kabongo a invité les membres à prêcher le MLC partout. Année prochaine, il y a année électorale. Année électorale, il y a une compétition. Dans ma partie politique, vous êtes. Pour que la compétition soit préparée. Vous voyez? Qu'on se prépare et Zali Kobanda, Sikaoyo. Qu'on se prépare et Sengeli déjà bino. Vous allez être prédicateur du mouvement de libération du Congo. Batou, vous allez être en train de prêcher l'idéologie à partir de Nabisso. Baza ba camarade na bino. Bazali ba collègue de service. Bazali ba collègue à université. Bozali koye bisabango. Toza la katia masua ya noa. Eza kokende. Soki o kotite tango mbule kobeto kosala nini? MLC, notre parti politique. Eza boîte, eza masua. Bisika eza ebele. Batonyo so bazana na place. Bokoti sa bango na masua ba rate trente. Poto va kokene na gare. Et c'est couleur du parti. Alors, avec les communes politiques. Vous, le président des communes politiques, vous devez continuer la marche de mobilisation pour la sensibiliser. Bah, la prochaine fois, on a posé la awa, nombre d'autres, vous allez poser la façade.
Lokani. C'est-à-dire, vous là, vous devez vous mobiliser pour que nous ayons des membres dans tous les coins de Mouéléditou. C'est-à-dire que Mouéléditou sans MLC, ce n'est pas possible. Vous avez la solidité, la colombie, le mouvement de libération du Congo. Parti d'Abisso. Tous assiés, il y a cause à la présidente Yaboué. Un homme, un sage. Un homme, oh, un bon mot, tu vois, ça a été. Oh non, ce qui est dans la carte, c'est l'union sacrée. Il y a trois ministères. Il y a les cas à niveau. Kala, à l'écart. Il y a les cas. Ce qui est fait ici, il y a 100. Il y a les cas à niveau. Il y a les cas. Si vous avez des cas à niveau, vous avez des cas. Pourquoi? Tous les partis politiques, mon côté, et Botamaki, le 30 mars 2018, après l'élection, ma porte est quand même partie et puis sinon, tous les 24 ans d'âge. Ça veut dire que moi, je suis 23 ans au policier, vous êtes 23 ans d'âge, 24 ans d'âge. C'est-à-dire que tous les longs bas n'ont pas encore mature. Bambong est yé dans le parti politique. Bakangi président pendant 10 ans, mais le MLC est toujours là. Donc, tous les gens ont fierté à cause de la membre de MLC. C'est un parti politique qui a fait ses preuves. Durant le temps, c'est un parti où les sacrifices ont été faits. Dans mon bino, son bozoa, ma kasi, flambo ya elokwana, boke ne kolombe, dans mon bamisous. L'année prochaine, le deux sièges, oh yo ya, 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 s'enrôler, mingi tokyo zora misa. Parce que c'est en termes de quota de l'électorat que les sièges sont attribués. Ceux qui vont s'enrôler, Ming, qui ont appelé ça, trois sièges. Mais le problème, c'est que les trois sièges sont les membres de la MLC. MLC Viva. Viva. MLC Viva. Viva. Trois postes, wana, il faut qu'ils soient la MLC. Ce qui veut dire que Bino Nyon Sonenge Boza Awa et Sengeli Boza la Naba ambition politique. Mon Lumba. Mon kilo. Yabena Kassai. Il mérite. Président fédéral. Il ne voit pas de l'autre côté. Président fédéral. Oui. Voilà. Photo ya moyo toi nango effigie au vanda na kati ya salle de réunion. Il s'en est suivi la cérémonie de l'inauguration de ce siège. On y a noté la présence du président fédéral de la province de Lomami 1 et du troisième vice-président de la fédération du MLC Kassai Oriental. Suivons les impressions de Didier Parfait Kabongo et du secrétaire national du MLC à l'issue de la cérémonie. Notre unique patrimoine que le Seigneur Jésus-Christ a voulu donner au peuple congolais au travers notre président national. Son excellent Jean-Pierre Bemba. Et ce dernier nous a toujours prêché l'amour, l'unité, la discipline et surtout l'obéissance. C'est dans le cadre de ces valeurs, en tant que de fourmis, que nous nous sommes saisis de ce message du président national, en tant que fils de cette province, pour que nous puissions doter notre chère fédération de Lomami 2 d'un siège digne
du mouvement de libération du Congo. Mais un siège qui est doté sans le meuble du bureau, comment les gens peuvent travailler? Nous y avons également pensé. C'est comme ça que nous avions doté également le siège de quelques tables, quelques meubles, pour que le travail de la fédération se passe dans de bonnes conditions. Je crois que le seul ou l'unique innovation, c'est la vision qui est tracée par notre président national, dans laquelle vision nous nous inscrivons de se sacrifier pour notre parti. Alors, quel est le conseil que vous donnez aux membres de cette fédération, de l'OMAMI 2? La pensée et le conseil, c'est simple. C'est de rester travailler dans l'ordre et la discipline. Notre armoirie au niveau du parti, c'est le fourmi. Vous devez comprendre que le fourmi est une des bestioles qui marche dans l'ordre, qui marche dans l'obéissance. Et c'est dans cette vision-là que tous les membres du mouvement de libération du Congo, fédération de la Lomami 2, doit s'inscrire. Travailler dans l'obéissance, dans le respect, dans l'unité et surtout dans le dévouement pour que notre parti politique au niveau de la province rayonne davantage. Et pour autant que nous sommes dans une année préélectorale, nous devons nous mettre déjà en ordre de bataille. Merci. Oui, merci beaucoup, messieurs de la presse. Je crois que vous venez de le souligner, je suis l'homme le plus géré aujourd'hui au nom du comité exécutif national du MLC. Je suis venu accepter, agréer l'ouvrage du camarade Didier Parfait Kabongo qui a offert un bon bâtiment au mouvement de libération du Congo. Comme vous le savez, ici à Moyen-Ditou, c'est une très très grande agglomération du Grand Kassai. Nous sommes ici non pas seulement pour inaugurer le siège, mais aussi pour réchauffer les activités du parti ici à Moyen-Ditou. Nous voulons que les drapeaux du MLC, comme les militants l'ont chanté ici, MLC Koulou-Banza, MLC Koulou-Banza, qui signifie MLC chaque parcelle. Donc, aucune parcelle sans les MLC. Voilà pourquoi nous sommes là. Et donc, cette fédération fait aussi une fierté du MLC. Et nous voulons que quand nous allons revenir de nouveau ici, et que les MLC soient dans chaque quartier, dans chaque coin et dans chaque avenue. C'est un grand plaisir pour nous d'être là. Un message aux concitoyens qui sont là et qui voudraient peut-être adhérer au MLC, mais qui hésitent. Je dois rassurer à tout le monde ici, toute la population de Moyen-Ditou. Le MLC a été créé pour que toutes les races, toutes les tribus sentent qu'il y a un État qui gouverne. Et aussi, je dois souligner à tout le monde, à toute la population de la Lomami, le MLC, il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour toutes les tribus. Il y a de la place pour tous les clans. Il y a de la place pour toutes les provinces. Le tribalisme, ça n'existe jamais au MLC et ça n'existera jamais. Voilà pourquoi je suis moi personnellement heureux d'appartenir à ce grand parti. Et j'invite tous mes frères, toutes mes sœurs, ici à Lomami, dans les Kassai, Kassai central, partout où ils sont, venez adhérer massivement au MLC sans moindre hésitation. Infatigable, le membre de la délégation arrive à Louputa le soir. Nous sommes dans le territoire de Loulou, à 45 km de la ville de Moyen-Ditou. Ici, ils viennent appuyer sur l'accélérateur pour la fin de travaux du siège territorial du MLC Louputa. Voilà la raison de ma joie. Cette terre ici, c'est la terre de mes ancêtres. Oubliez chez nous. Amen.
C'est pour ça que je suis allé. J'ai étudié. J'ai fini. J'ai commencé à travailler. Et j'ai dit, je rentre quand même chez nous. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Mobilisation, engagement. Amen. Message, c'est très court. C'est dire que aujourd'hui, celui qui est élu développe chez soi. Amen. Mets le volume, il faut que les gens aillent. Oui, ça va. Il faut être motivé. Jérémy, tout celui qui est élu, rentre chez moi. C'est pour ça que moi aussi je suis rentré chez nous. Non. Je suis venu d'abord chez nous pour voir mes frères et mes soeurs. Mes papas et mes mamans. Et moi, je suis venu pour voir mes frères et mes soeurs. Voilà. Pour voir comment ils vivent. Pour dire que ensemble, si nous nous mettons la main dans la main, alors, sous les drapeaux de notre parti politique, le MLC, nous allons aller de l'avant. Que personne ne vienne vous tromper. Que parce qu'il ne parle pas bien, Kanyo qui n'est pas votre frère. Parce que là où je suis en train de parler pour vous, je ne parlerai pas en Je parle là-bas en français. Je parle en lingala. Je parle en chiluba. Et je parle en anglais. Pour dire aux décideurs que chez moi là-bas, les gens sont en train de mourir parce qu'il n'y a pas d'hôpitaux. Voilà pourquoi les images sont là, qu'on va amener dans la sphère décisionnelle. Pour que dans le projet de 145 territoires, que lui, nous ne soit pas oublié. Amen. Que notre province de Lomami ne soit pas oubliée. Voilà pourquoi je suis allé prendre mon frère de loin là-bas. Mets-toi debout. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Delphine Moy. Qui de le faire? J'ai l'ai de loin, j'ai dit viens. Rentre chez nous à la maison. Pour que tu sois mon oreille et mes yeux. Quand vous le voyez, c'est que vous me voyez. Quand vous voyez mon papa, c'est que vous me voyez. MLC viva! Viva! MLC viva! Viva! MLC viva! Président!
La première fois que j'étais ici, pour que MLC nous ayons une adresse. Est-ce que vous êtes content pour ça? Oui. Ok. Aujourd'hui, je suis venu à nouveau. J'ai pensé à mes mamans. J'ai pensé aux jeunes filles. J'ai dit, je viens ouvrir un centre de formation pour les mamans et les jeunes filles. Ce centre-là, c'est le centre de coupe et couture. Amen. J'ai amené des machines pour que les mamans et les jeunes filles apprennent à coudre. Ici, Viva! Viva! Le grand cadeau, c'est celui-là. Ah, quand tu as l'engel que bin toi dit les ikina, tu peux lui dire l'engel ikina. Bah tu vas m'amuser de où? Après moi, donne-moi un poisson. Yakshani Musan. Je mangerai un jour. N'ajaje difu kanja kabu muhwa. Mais après moi à pêcher. Awalunge shukwa kuloba. Je mangerai tous les jours. C'est comme ça que ce centre va ouvrir ses portes pour toutes les femmes et toutes les jeunes filles. De manière à ce que chacun trouve de quoi avoir ne serait-ce que le pain pour sa famille. Ça sera une module ou des modules de 3 mois. La formation qui sera donnée, c'est gratuit. Je vous demande l'argent. Les papas, encouragez les filles à la maison à venir apprendre le métier. Que personne ne vous exige de payer quoi que ce soit. J'ai amené ça pour que les fils et les filles de notre cité de Luputa apprennent le métier. Ababintu ajile bane nunu posolo nodonga bwalka bin bezesh mut. MLC viva. Viva. MLC viva. Viva. MLC viva. 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 Je te remercie président. Les papas. Batat. Je vous promets. Nenu la lay. D'ouvrir une école. Batata pinula laibwa kukangulu tulas kahan. L'auto école. Tulas to kwilongel kwa mijimu. Pour que vous aussi vous apprenez. Wanun bien longoka. À apprendre à conduire. Nous long bien wanun kwendesh machine. Pour que vous soyez aussi indépendant. D'ici le début de l'année prochaine, on va commencer aussi avec les papas. Amen. Je me suis promené avec un sac
du sel. Pour donner à chacun, même un peu, merci. Demain, Malab, on va descendre. Malab, je vais rester avec vous ici jusqu'à vendredi. Ah, naïkal makshalen ma botoni mudita. Non, jusqu'à samedi. Ah oui. Atéko kinimdi sambom gaye. Je vais rester avec vous. Ah, chachalen hina. On va tenir des réunions. Sangilbi kakalo. On va se parler davantage dans l'intérêt de souder notre amitié. Quand je veux rentrer à Kinshasa, je ne veux pas vous oublier. Je vous promets. Oh papa Bemba, papa Bemba. Tunga jitu kongu. Bata tunyiba mamu, usonga ya baka chini ya baluma. Bana bonsu ba mukongu, jiba jakumba nyitujuka hii. Kongo wetu ubanjibu wakatu shira bangambu betu, tugula mabilinga. Muntuka pandululu kongu, anjiba na ba mukongu tuu. Baluba, ba kongu, ba swahili, anjiba ngala. Tujibuwa onsu bana ba muntu kumwa. Nangwamu, wate tukula mububanjibu etu kongu, tujiswika ichi sumbu chumwa. Tusomba imu bobu mwane mujinanga, chanza mchanza, mshindu mwimpa, wakula majitu majetu, jitu ashilabana betu, nyibana babu.